Bonjour Juliane. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Prêt pour faire le challenge les mains dans le carton? Oui. Le challenge les mains dans le carton, c'est un challenge où je vais te mettre une assiette à l'intérieur du carton et il y aura quelque chose à l'intérieur de l'assiette. Ça peut être des objets, un jouet, du manger, ça peut être des marshmallows. Ça peut être n'importe quoi. Et toi, tu dois toucher avec tes mains. Mettre la tête au-dessus du carton pour pas vous regarder à travers les petits trous et essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a sur les assiettes. Oui. Tu es prêt pour relever ce challenge? Oui. Alors parmi les objets et les animaux qu'ils vont devoir trouver, on a une Elsa, un œuf dur, une banane que je vais ouvrir, des spaghettis cuites, 3 pots de slime, une pomme que je vais couper en quartiers, une paille et un coca. On va voir s'ils vont trouver tout ça avec leurs mains. Alors Alicia, t'es prêt pour le premier objet? Oui. Hein? Oui. Va falloir deviner avec les mains. Hein? Alors c'est parti pour le premier objet. Qu'est-ce que ça peut être? Je l'ai posé sur l'assiette au milieu. La Elsa. La Elsa? Ça se trouve ici? Je pensais pas qu'elle allait la trouver celle-là. Je pensais qu'Alicia allait la trouver. Je la connais, je la vois tous les jours. Alors maintenant, vas-y, tu peux toucher. Qu'est-ce que c'est ça? Elsa. Oh, t'as-tu trouvé? Julien, il a trouvé aussi tout de suite. Hein. Je pensais pas que Julien allait trouver. Tu pensais que toi, t'allais trouver. Trop facile, hein? Alors, le numéro 2 maintenant. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, mais vous êtes trop forts tous les deux. Hein. Vous trouvez tout. Bon, allez, objet numéro 2. Bon, j'ai pris des objets assez simples quand même. Un œuf. Oui, 2 sur 2 pour l'instant pour Mystère Julien. Oui. Allez, numéro 3 maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Un œuf. Un œuf aussi? Oui. Ça c'est un œuf, ça peut-être tu sais pas encore, ça c'est un œuf déjà cuit, hein? Oui. Cuit, surtout, il n'y a pas la coquille dessus, hein? Oui. Bon, bah, quoi? Je vais voir comment c'est. Alors, objet numéro 3. Ah, un petit peu plus dur, ça. Un œuf cuit. Ouais. Oui, un œuf cuit, on enlève la coquille. Trop fort. Alors, le numéro 4, tu vas toucher. Qu'est-ce que ça peut être? Touche avec les deux mains, hein, tu as deux mains. Il y a quelque chose encore. Une banane. Oui, une banane. Mais vous êtes trop fort, hein. J'aurais dû prendre des objets plus compliqués à trouver, hein. Je pensais pas que t'allais trouver ça, la banane, hein. Objet numéro 4. Attends. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Une banane. Ouais, super. Comment t'as trouvé que c'était la banane? Je l'ai fait sentir parce qu'ici c'est un petit peu ouvert. Enfin, on a senti. S'il était fermé, je n'aurais pas senti. Alors, le prochain, celui-là, tu vas pas le trouver, je suis sûr. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Une tomate. Non, pas une tomate. Allez, t'auras encore deux chances. C'est presque comme une tomate. Je t'aide un petit peu. Ça a la même couleur, ta tomate. C'est rouge aussi. Une pomme. Ouais, super. J'ai vraiment mis la pomme. Oui. Alors, objet numéro 5. Celui-là, je pense pas que tu vas le trouver. Alors. Qu'est-ce que ça peut être? Une pomme. Ouais. Alors, celui-là, tu peux mettre les mains dedans complètement et tu peux toucher. Alors, qu'est-ce que ça... Mets bien tes mains dedans. Des patates? Non, c'est pas des patates. Qu'est-ce que c'est ça? Mets bien tes mains dedans, tu pourras sentir mieux. T'as peur de mettre les mains dedans, quoi? Tu sais pas? Tu aimes bien manger ça, ça se mange. Papa, il mange toujours avec de la tomate dessus, toi tu manges sans tomate. Alors? Pommes frites. Non, papa, il n'y a pas de tomates, c'est des pommes frites. Tu veux que je te montre qu'est-ce que c'est ça?
des spaghettis. Ah. Allez, objet numéro 6. Des spaghettis. C'est trop simple. Tu trouves tout. Alors celui-là aussi, tu peux mettre bien les mains dedans, il faut bien toucher, c'est bien dégoûtant. Du slime, Elsa. Oh, non, c'est pas du slime, Elsa. C'est du slime noir. Ça, tu pouvais pas savoir. Tu as trouvé que c'était du slime. Alors, numéro 6. Est-ce que tu as trouvé ça? C'est quoi? Ah, mets tes mains dedans, hein, t'as deux mains. Serre-toi tes deux mains. Alors, un petit peu plus dur, mais non, tu... Du slime. Ouais, du slime, j'étais sûr que tu allais le trouver celui-là. Ouais. Alors, on est presque au bout, hein. Tu as presque pour l'instant tout trouvé. Qu'est-ce que c'est ça? Un bâton. Oui, c'est un bâton, mais c'est un bâton spécial. Qu'est-ce que c'est? Tu dois trouver. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On boit. Ah, on boit quoi? Du lait. Du sirop aussi. C'est une paille. Paille. Il faut excuser Alicia parce qu'elle a que 6 ans et on habite en Allemagne, elle ne connaît pas tous les mots encore. À la maison, on parle russe, français et allemand, donc tous les mots, elle ne connaît pas pour tout. Donc je vous demande, les petits amis, de l'excuser. Alors, numéro 7. Oh, c'est pas possible, il trouve tout. Tu trouves tout, je suis curieux de voir si Alicia va s'y trouver comme ça. Allez, tu peux toucher. C'est gros ça. Qu'est-ce que ça peut être, hein? Coca. Coca. Tu trouves tout. Prochain objet. Alors, ça c'est quelque chose que papa il aime bien. Ouais, qu'est-ce que ça peut être? Alors, tu trouves pas ça? Je pensais que tu allais trouver tout de suite ça, c'est un des trucs les plus simples. Alors, tu vas pas nous faire un sans faute? Quoi, papa? Tu vas pas nous faire un sans faute? Non, ah bon, c'est un truc préféré. Ouais. Tu trouves pas? Allez, t'as encore 5 secondes. Ah, Coca. Ouais. Alors, c'est le dernier objet. Il te reste plus qu'à trouver celui-là et tu auras fait 9 sur 10. C'est bien aussi. Un Lego. Oh, trop facile. Non, mais alors, je pensais pas que vous alliez trouver tout ça. Hein. Vous êtes trop fort, hein, toi et Juliane. Tu veux voir comment il est? Allez, objet numéro 10 et dernier objet. Très facile normalement pour toi. Attends, il y a quoi, un truc? Oui, tu l'as dans la main. Oh, Lego. Ouais, Lego. J'avais mis un piège, j'ai pas mis une brique Lego, j'ai mis un truc à plat Lego, mais tu l'as quand même trouvé. Hein. Allez, tu t'as plu, Juliane? Oui. Ah bon, tu gagnes, tu aimes bien. Hein. Bon, ben la vidéo, le challenge, il est fini. On vous remercie d'avoir regardé. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde.